Je vais vous raconter l'histoire banale de Jules César qui était empereur. Il avait un long nez comme une banane et ses oreilles c'était comme des chou-fleurs. Vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez si de vous tout. Si vous écoutiez de... moi... Non, je ne me suis pas enfui. Je me suis perdu. Nous nous sommes debout. Et l'argent, alors? Tu l'as toujours? Oh, oui. Il est dans ma poche. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel folle. Il fait des idées ou quoi? Tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas, Manu. Comment voulez-vous vous construire quand les autres pensent ça de vous? C'est qu'on vous ne répondez en fait jamais aux questions. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi, je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, fiole. Hein. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose. Ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église. Je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours moins. Une petite pipe. Une petite pipe. Ok. 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 Manu, Manu rêve. Croyez pas que le moment est mal choisi pour penser à ça. Cher, hein, surtout pendant le dîner. Tu Manu, Manu rêva. Mais on ne savait plus à quel saint se vouer. Il y a des petits, des gros, des longs, des moyens. Youkou, youkou, vive les saints. Je pourrais peut-être aller décapiter les bourgeois de tout un village, planter leur tête sur des pics, un coup de canif et je leur aspire la moelle du cerveau avec une paille de fer. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Ah, c'est rigolo, hein?